Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Si vous faites partie des 1000 nouveaux abonnés, sachez que tout environ les 1000, 1200 nouveaux abonnés, à chaque fois que la chaîne monte, on fait une FAQ avec toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. C'est une petite tradition sur Home Kitchen pour pouvoir grandir ensemble, se donner nos impressions, nos suggestions, nos critiques, nos remarques et aussi nos petits mots positifs. Donc si vous avez des choses à partager, si vous avez des questions à poser, si vous avez des choses à me dire, c'est le moment. Je suis pas présente, je suis pas plutôt omniprésente sur les réseaux. Je suis surtout sur Instagram et sur YouTube. C'est un choix délibéré. Je suis pas très réseaux sociaux. Je l'expliquerai sûrement dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, c'est pour ça qu'à chaque fois je fais cette petite vidéo juste de quelques minutes pour que tous ceux qui sont intéressés par cette FAQ postent leurs questions en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Quasiment, à chaque fois, toutes les questions gentilles, pertinentes, toutes les critiques sont les bienvenues. C'est grâce à vous que j'arrive à devenir plus performante. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire des choses encore plus intéressantes. C'est grâce à vous que je fais des recettes qui montent en grade. C'est parce que vous me donnez toujours plus de suggestions sympas, de commentaires qui sont très motivants, bienveillants. C'est grâce à la communauté d'Home Kitchen que cette chaîne peut se poursuivre encore et toujours. À chaque fois que je continue, je suis de plus en plus emballée pour tester de nouvelles choses, faire des vidéos sur d'autres sujets. Donc si vous avez quoi que ce soit comme question, si vous avez envie de me dire quelque chose, c'est le moment en dessous de cette vidéo dans la section des commentaires. Aussi, j'aimerais vous lancer un grand merci, même si cette chaîne elle n'est pas à 100 000, 200 000 vues et que c'est pas vraiment une grosse chaîne populaire dans le monde de la cuisine sur YouTube. Moi je suis super contente de tous vos retours, de tous les commentaires que vous laissez. J'ai quasiment jamais de commentaires méchants. C'est grâce à vos partages, c'est grâce à tout ce que vous m'écrivez que je peux encore poursuivre l'aventure. Le partage, ça va dans les deux sens. Moi, je fais des petites vidéos comme ça. C'est vraiment un hobby et une envie profonde pour moi. Et vous, vous me retournez en échange tout ce que vous avez kiffé, tout ce que vous n'avez pas kiffé. Et tout ça, franchement, c'est génial. Moi aussi, prochainement, j'aimerais discuter avec vous. Alors, pourquoi pas faire un live streaming, par exemple. Qui serait intéressé, qui serait au rendez-vous pour lancer un chat comme ça en direct sur la chaîne, ça n'a jamais été fait. Pourquoi pas se lancer, pourquoi pas essayer une première fois. Si vous avez des idées, des recommandations, des trucs qui vous passent par la tête aussi, dites-le moi surtout. En tout cas, pour cette nouvelle période encore qui redémarre sur Home Kitchen, j'ai plein de nouvelles envies. J'ai des envies de faire des vidéos aussi sur la confiance en soi, les réseaux sociaux, mon parcours personnel, professionnel. Plein de choses qui pourraient être inspirantes. Bien sûr aussi, ça reste avant tout une chaîne de cuisine, même si j'aimerais de plus en plus faire des vidéos qui touchent à d'autres sujets, pas seulement sur des produits naturels, ménagers ou du maquillage vegan, mais sur plein de topics qui m'intéressent et que j'aimerais vous partager de nouveau. Donc voilà, est-ce que ça serait quelque chose qui vous chaufferait? Est-ce que ce serait quelque chose de pertinent pour vous? Ou est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne surtout de la cuisine. J'aimerais aussi faire plus de vidéos dans la nature parce que c'est un élément dans lequel je me retrouve, que ce soit dans la forêt, en promenade, faire des rides avec vous, ça pourrait être très sympa, vous faire un petit tour des environs, vous faire un peu découvrir les endroits, mes petits spots préférés où j'adore me retrouver, méditer, tout ça. En tout cas, j'espère qu'on se retrouvera de plus en plus nombreux et que l'aventure Home Kitchen n'est pas finie. Encore un grand merci. Et puis tout ce que vous avez dans la tête, tout ce que vous avez en suggestion, tout ce que vous avez envie de me dire, j'y répondrai avec plaisir dans la prochaine vidéo. En lisant tous vos commentaires en dessous de cette vidéo, je répondrai avec plaisir à tout ce que je pourrai, autant que je le pourrai, en toute sincérité et en toute honnêteté. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien et bye bye !